Yo, salut l'équipe, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une stratégie sur la section 1 6e avec le The Money Wheel. Alors arrivé ici, 6e, vous allez cliquer sur plus comme ça. Voilà, arrivé sur plus, là vous allez défiler jusqu'en bas et vous allez trouver le The Money Wheel, là ici. Donc on clique dessus. Alors une petite parenthèse, il faut savoir que ce The Money Wheel là, vous pourrez tomber 5 fois ou 6 fois de suite sur le 0. Voilà, le fois 0 que vous trouvez là. Vous pourrez tomber 6 fois, 7 fois de suite sur le fois 0. Mais si vous appliquez cette stratégie que je vais vous montrer 2 fois, 3 fois consécutives, vous allez voir que vous allez commencer à gagner sur des grosses cotes. Comprenez, avant de commencer comme d'habitude, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais aussi de me laisser un petit like sur la vidéo. Là, on va débuter avec une mise de 200 francs. Faites comme moi. Je sais déjà que ça va arrêter beaucoup de fois sur le fois 0. Voilà, une fois. Donc on va essayer de faire 3 fois consécutives. Si ça tombe sur le fois 0, je vais vous montrer comment vous allez faire. 2 fois. Voilà, il faut savoir que ce jeu c'est une grosse arnaque. Mais il y a une stratégie quand même. Je ne voulais pas faire la vidéo. Regardez, là j'ai tombé sur le fois 25. Donc on va tout reprendre à 0. Fois 0, c'est bon, une fois. Donc ça devrait être 3 fois consécutifs. Non, là c'est pas bon. 2 fois et la troisième. Là c'est bon. Dès que vous perdez 3 fois consécutifs, vous allez augmenter votre mise. Là, je vais passer avec une mise de 1000 francs CFA, puis vous allez mettre 0,4. Donc, c'est ce qui est important là-bas. Virgule ou point, c'est la même chose. Regardez. Donc, on a perdu 3 fois. Donc, ça veut dire 3. Et si on joue encore, ça va être 4. C'est pour ça que j'ai mis 0,4. C'est pas pourquoi. Donc, j'ai testé cette stratégie. Ça marche très bien. Vous allez voir que avant d'arriver la fois 6, ça va venir. Les gros scores. Là, c'est sur le fois 1, ça ne change rien. On va essayer d'atteindre les grosses cotes. Fois 1 toujours. On va toujours continuer, ne changez pas. Donc, votre mise sera fixée, quoi. Cette mise de 1000 francs va être fixée. Là, c'est validé. Puis, on va changer, on va mettre 0,5. Donc, dès qu'on gagne des cotes de 5 et plus, vous allez revenir à la mise de base. Mais pour l'instant, fois 2, ça ne va pas trop nous arranger. Fois 5, là, c'est bon. Donc, on a pu atteindre la cote de 5, puis on va revenir à la mise initiale. Donc, ne mettez pas de virgule. On va essayer de perdre 3 fois consécutives. Une fois. Alors, vous pouvez activer le bonus de 200% sur XBet ou sur Linbet en vous inscrivant avec le code promo 46 dinero. C'est le meilleur code promo du moment. Tous les liens pour télécharger l'application, que ce soit Linbet ou XBet, se trouvent sur la description de la vidéo. Une fois, donc on change et on met 0,5. Et là, on a gagné la cote de 5. Donc c'est bon, dès que vous arrivez à des cotes de 5, vous pouvez revenir sur votre mise de départ. Mais si c'est des cotes de 2, là c'est pas bon. Vous allez toujours continuer. Voilà, une fois. Et là, on a pu gagner le fois 5. Une fois. Donc, celui-ci va être notre dernière tentative. 2 fois.
trois fois, là c'est bon. Toujours la mise devrait être fixée, votre mise de départ ne devrait jamais être changée. On continue. Une fois, là, on va mettre 5. Deux fois, 6. Et là, c'est bon. Regardez, j'ai pu atteindre le fois 10. C'est carré, là c'est carré, donc comme d'habitude, vous allez revenir à la mise initiale. C'est la stratégie les gars, j'espère que cette méthode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir sur les commentaires. Vos avis et tout.